Bonjour. Ah ouais, non, mais rallume ta lumière. Nouvel épisode, épisode 9, je crois, mais je suis pas sûr. Oula, j'avoue, j'appuie sur tab. Attention, le jeu a redémarré, hein, donc. Ouais, c'est la merde. C'est la merde niveau ressources. Faut tout utiliser. Hein. On est toujours bloqué dans les ruines là, avec des milliards de ghouls autour de nous. On va espérer que ça se passe bien. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Hein? Il est où le piège? C'est chaud. Mais non, mais je sais pas où je vais. Hein. Reste là, il y a de la lumière. Oh là là. Alors c'est vrai que là ça a l'air safe, mais en même temps, je rate sûrement des trucs du coup là-bas. On va dire que c'est pas grave. Plus qu'un de vie, et trois allumettes. Non mais on va dire que c'est pas grave. Tant pis, hein. Pas de bestiaux, pas de bestiaux. Ok. On a allumé trois trucs. Bébé! Non, ça souffle pas. Ok. Couldn't even get my knife just now. Writing it down. Leon. It's Leon. Leon de Vries from Cape Town. Father, Charles. Mother, Elsa. Gold mining job. Putting in machines. Upping the yield. Streamlined. Efficient. Making the lazy bastards work for a change. Crash in the desert. Bunch of upper class peel cops. Fucking crazy shit. There was a ghost. I think there was a ghost. Maybe dreaming it. A breaking face. Split in two. Vines. Vines everywhere. That fucking French butch Tarsi. She only had to do one fucking thing. Her fault. Her fault I'm losing it. She killed us all. Comment ça, c'est notre faute? Est-ce que autant la première partie, d'accord? Enfin, juste à part la dernière phrase. À part la dernière phrase, la première partie. Mais sinon, genre, on comprend. Hein, voilà, il s'appelle Léon, il se rappelle de son père, ça va, il a peur de tout oublier parce qu'il se rend compte qu'il est en train de devenir fou. Il parle du visage brisé qu'on voit des fois dans nos flashs. Enfin, l'espèce de visage coupé en deux, le fantôme, voilà. Mais nous, c'est quoi le rapport? C'est quoi la chose qu'on avait à faire? Et c'est pourquoi c'est notre faute? Et pourquoi on les a tous... Hein? Voilà. Tout cas, ça avait l'air d'être quelqu'un vraiment très sympa, hein, Léon. Vraiment un bon gars. Non mais là, par contre, s'il vous plaît, des allumettes, de l'huile, quelque chose, quoi. Ouais. Oh là là. Il y a rien. Est-ce que je peux?
Non, visiblement je peux pas. Même si. Oui, je sais. Non, je peux pas. Ok. On peut plus revenir en arrière. C'est pas grave, hein. Bébé. Alors je sais, enfin j'ai l'impression en tout cas d'être vraiment lent dans ma progression. Depuis quelques temps. Hein. Dans le. Enfin là depuis un ou deux épisodes. Je vous avoue que bah forcément, vu que je suis tendu. Oh, plein d'allumettes. C'est pas forcément bon signe, mais je prends. C'est vrai quoi, ouais, du coup vu que c'est un peu plus tendu. Mais attendez. Pourquoi il y a ça? Je peux pas faire le tour là. Hein. En fait je me dis si jamais je dois échapper à une menace, je fais comment? Comment je fais? Parce que là je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais... Maintenant j'ai peur d'ouvrir les portes aussi. Hein. Bonjour, c'est... D'accord. Bonjour, c'est la fin de l'huile. Oh, j'ai plus d'huile. C'est pas très discret ce que je fais. Je dois bien l'admettre. Oh, de l'huile. Allez, ouvre. Ouais. Combien d'allumettes? 7, ok. Ah! Non! En plus, je leur ouvre la porte, moi. C'est gentil de ma part. Hein. Ah non, mais attendez. J'ai un gros problème en vrai. Hein. Mais par contre, je fais comment? J'étais censé foncer. Ah, mais ils étaient. Il y en avait au moins deux, non? Oh, je peux pas les voir à travers la porte. Secours. Mais merde! Mais merde! Je fais comment là? Genre, à part me cacher là, prier. Attendez. En fait. Après, ce qui m'inquiète, c'est que là, s'ils ont pas entendu, j'ai des doutes sur le fait qu'ils entendent. Parce qu'en gros, ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est les attirer là-dedans, quoi. Mais. Genre, lancer un objet là-bas. Et me cacher, quoi. Ça marche pas. Ils s'en foutent. Ça va durer des heures. Regardez-moi ça là. Qu'est-ce que je fais moi? C'est trop relou. Parce qu'ils réagissent même pas.
Ok, ce que je suis censé faire. Parce que là, il y en a un là. Mais ouais, mais ils sont trois. Ils sont trois. Bébé, pas maintenant. Ouais. Regarde, on est en sécurité, il n'y en a que trois. Tu vois, d'habitude, on nous en mettait qu'un. Non mais attendez, non, il n'y en a pas que trois. Parce que quand la lumière, elle m'empêche pas de le voir, ça en est un, ça aussi. Non mais ils sont... Oh. Qu'est-ce que je fais, là? Comment je fais? Faut que je cours? Pensez qu'il faut que je cours? Le truc, c'est qu'en fait, comme j'ai ces pièces-là, j'ai vraiment l'impression que le jeu, il veut me faire genre... Je m'enferme là, je bloque la porte, je me cache. Après, eux, ils vont essayer d'aller là. Et Oh, je tente ça. J'ai pas envie, hein. Mais non, mais ils sont 5 au moins! Non, mais c'est un... Je sais pas comment faire, en fait. C'est... Je suis désolé, hein. Bah, après, en vrai, je pense qu'au montage sera raccourci, ça, mais... Mais je vous avoue que, voilà, c'est les moments où je suis en mode, bah ouais, mais... J'ai pas envie de faire ça. Enfin, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je les attire. Il faut que je fonce. Mais j'ai pas envie de mourir. Parce que, ouais, le bon plan me paraîtrait de les enfermer là-dedans, quoi. Mais vas-y, quoi. Fais-le. Fais-le. Bon, on va tenter un truc. Je vais tenter un autre move. Mais il faut que je puisse... Ouais. Ça a pas marché du tout. En fait. Ça les a zéro attirés, hein. Ils s'en sont royalement battus les couilles. Mais ils s'en foutent! Je leur envoie tous les objets que j'ai dans la gueule, ils s'en foutent. Enfin, dans la gueule, non. Mais devant les yeux. Ça va faire du bruit, ça. Ça, c'est sûr que ça va faire du bruit. Comment expliquer que j'ai pas envie d'aller en face d'eux et de leur dire bonjour, quoi? Imaginez, il y en a un qui arrive de derrière. Je meurs. Enfin, je cours, du coup. Et on règle ça différemment. Ils foutent de ma gueule, là. Ah, oh, c'est scripté, c'est pas possible. Donc attendez 2 secondes, je vais refouiller cette pièce, me rendre compte à nouveau qu'il n'y a rien. Comme je l'ai vérifié 4 fois déjà. Et ensuite, on essaiera de faire quelque chose. Ouais, non, non, il n'y a vraiment que dalle. Pourquoi ce bruit sur la porte, quoi? Vous êtes chiant, hein. En fait, le problème, c'est que les triggers, ça marche pas. J'y vais, hein. Oh. Non, mais... Oh là... Oh, mais... En fait, ils ont pas l'air de me repérer. Après, peut-être qu'ils sont tous en train de dormir. Et que si j'y vais tout droit... Attends, bébé, c'est pas le mot. Non. C'est pas le moment, bébé. Oh. Oh, je déteste. C'est insupportable. C'est insupportable. Il m'a vu. Il m'a vu. En tout cas, il me sent. Qu'est-ce que je fais? Oh non, mais... Dégage de là, dégage de là, dégage de là, me vois pas, dégage de là, me vois pas, dégage de là, me vois pas. Et toi, c'est pareil, hein. Chut. Chut, ignore le fait qu'il y en avait un qui venait. Oh, tant pis, hein, je fonce là-dedans. Oh là là.
Je suis tellement tendu, c'est terrible. Sachant que... Je sais pas combien de temps ça fera pour vous, encore une fois, hein, mais moi ça fait 20 minutes quasiment que je suis dessus là. Alors qu'on a quasiment pas avancé. Hein. Oh non. Voilà, je la vois la planche, hein, mais... C'est trop calme. C'est trop calme. Au secours? Oh là là, j'avais peur de l'entendre, mais... Au cas où. Je devrais l'entendre, ceci dit, s'il était à côté. Vu comme on entend bien les sons dans le jeu, normalement je devrais l'entendre. Donc si je l'entends pas, c'est qu'il est pas là. Bon, il y a quoi là? Je sais pas, mais... ah! C'est pas forcément plus rassurant ici, hein. Par si j'arrive à m'échapper très discrètement là. Six allumettes. Reste accroupi. Ok, c'est bloqué. Désolé, hein, j'ai des mouvements assez frénétiques. Enfin, je sens que je tremble un peu dans mes mouvements, quoi. Façon de vous dire à quel point je suis pas serein. Hein. De la lumière. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Ouais, mais par contre, je vais activer ça et ça va être la merde. Quoi. Ah non, je peux pas l'activer parce que. Hein. Oh non, c'était allumable là. Tant pis. Tant pis, je claque l'allumette. Je comprends pas. J'ai été silencieux là? Ça passe pas. Ah non. Bébé, tu veux pas me calmer? Oh! Ça va me tomber dessus. Ah, bébé voulait me calmer un peu. Merci, bébé. Ah! Oh, toujours pas. Ça passe toujours pas. C'est insupportable. Je
Non. C'est bon? Mais non, mais cours! Ok, allez, c'est parti. C'est parti pour courir. C'est parti pour courir, 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 courir. Je stresse pas du tout, non. C'est pas mon... C'est pas mon genre. J'aurais peut-être dû fermer la porte. J'aurais peut-être dû fermer les portes! Oh non. Oh là là. Mon cœur qui est en train de battre à 100 à l'heure. Cours, arrête, cours. Non, c'est bon. C'est dans ces moments-là où il faudrait les capteurs de rythme cardiaque. Ah non. Oh putain, je suis désolé hein, mais j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Allez. Allez. Faudrait peut-être que je referme des portes un jour hein. Jamais, tant pis. Cours, ne t'arrête pas, cours. Non, no, no, j'en t'en prie, je t'en supplie. Maybe is another doctor in London. No. No. I will not put her through it. Not again. Ouais. Oh. Mon cœur est en train de défaillir, c'est terrible. Genre. On va se calmer, hein. Bon, pendant ce temps, c'est terrible. Pour Alice, c'est vraiment terrible. Et pour Salim et Tissa aussi, hein, évidemment. C'est calme là, hein, ça va être calme. Hein, je sais pas, non. Oh, ça c'était gratuit. Allez, sors. Sors, t'as la clé. Hein. We're back. Just got to get this thing working. Ça va, bébé? Oh, voilà. Voilà, mon cœur il ressemblait à ça là. Donc non, c'est pas normal bébé, hein. C'est pas normal. On dirait qu'elle fait... On dirait qu'elle aussi elle est en mode... Ouh, c'est fini. Ouh. Ah, peut-être qu'elle souffre par rapport à la grossesse aussi, ça... Ah non, il faut activer les... Ah ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ah non, pas d'ennemis. Non, pas d'ennemis en même temps. Pas d'ennemis en même temps, je vous en prie. C'est quoi ce tonk, tonk, tonk? Eh ouais. Non mais tant que c'est pas des ennemis, ça me va. Come on, quickly. Oh putain. Saloperie. Allez, c'est le dernier. Et après on peut rentrer à la maison. Enfin pas vraiment mais s'enfuir, s'échapper. Oh, I did not see it. Pardon? Ah,
revoir. Adieu. C'était cool que ça nous mènerait pas au bon endroit. Pourquoi? So much for the dam. Where the hell have I taken us now? Pourquoi ça pouvait pas fonctionner normalement? Ouais, là, ouais. Comme quoi cette berceuse, hein. Les paroles étaient vraiment pas choisies au hasard. C'est ouais. Oh mais non, moi je voulais revenir à la civilisation humaine, là, sortir de ténèbres. Another portal. Oh, it was ruins now. Oh, vous imaginez tout ce qu'on a fait pour qu'au final, on arrive là. Encore plus dans les enfers. Oh, enfin je dis encore plus dans les enfers, ça c'est... Ouais, peut-être pas, mais... Mon point de vue, je suis pas content. Je suis pas content, là. Moi, je voulais être dans le désert. Être bien, quoi. Pas être là. Au milieu de ghouls et d'autres trucs à la con. Ah, super. Ouais, le... Ah. Ouais. Oh, c'est fermé. Ah, c'est pas fermé. On va s'accroupir. Bébé, il va comment? Ça va. Non. Moi, je trouve que c'est de plus en plus facile. Là. Je trouve que là, on est dans des phases de plus en plus simples à gérer. Aussi bien au niveau de mes battements du cœur. Super. Qu'au niveau de la façon dont c'est fait, quoi. Je veux dire, foncer au milieu de toutes les goules là. Je vous avoue que je l'ai fait, j'étais pas sûr que ce soit ça, quoi. Hein. J'étais en mode bon, faut tenter un truc. MDR, faut tenter quelque chose, quoi. D'un moment. Ouais. J'ai pas envie d'avancer, mais. Superbe. Mais là, ah oui, si les deux sont alimentés. Il se passe quoi si les deux sont pas alimentés? Ah. Bah, on sait pas. Ah, bébé. What do you suppose happened to the people who lived here? Bonne question. Bon, j'ai dû rater 150 milliards de trucs, hein, du coup, dans les zones de l'enfer. Mais ouais, mais même... Comment je fais? Je peux pas l'alimenter. Bon, on commence à être à peu près un peu mieux, niveau ressources, mais on est mieux que tout à l'heure, quoi. Ah ouais. Non, je suis debout. Bon. Visiblement, c'est par là. On va y aller comme ça, hein. Au cas où. Histoire que je vois arriver les menaces.
Bon, ça, c'est pas des menaces. C'est pas une menace, ça, c'est l'architecture qui est dégueulasse. Ouais. Ouais, super. Qui fait penser à un dôme éventuellement assis, mais contre un mur. Mais non. J'aime pas les bruits qu'il y a, là. Je suis désolé, hein. C'est dur. Hein. C'est dur pour moi, là. Hein. Je fais tout ce que je peux pour me déstresser. Bon, de toute façon, il faut allumer la lumière là. Pour ici. Ah. Non, je croyais que ça tanguait. Mais non. Ça va pas se refermer ça? D'accord. J'aurais tendance à dire qu'il faut le placer là. Et que t'actionnes ça. C'est nul. Oh là là. Il y a toute une énigme ici en fait. Mais je pense que dans un premier temps, faut récupérer ça et l'emmener là-bas. Ouais. On sait toujours pas à quoi ça sert ces deux trucs là, mais... Alors. On va se permettre de courir un peu. Alors jusqu'où ça le capte? Non. Là ça le capte. Ok. On capte le wifi. On met des antennes wifi et on remet le courant dans la zone. Voilà. C'est l'installation de la 5G. Incroyable. Ouais. Donc si jamais il y a un monstre, demi-tour direct. Ah non, on peut fermer la porte. Oh, c'est pas une salle de monstre ça. Non. Ça c'est une salle de lore. Le lore. Enfermons-nous dans cette salle de là. D'accord. C'est pratique comme lumière ça. Ça demande même pas de bougie. Y'a rien. Mmh. Bon, j'ai vu ça. Hein. Du coup, je pourrais en avoir 3. Non, mais prends les allumettes. Ouais. Donc ça, c'est la vitae. Voilà, il maintenait l'impér... Du coup, il maintenait Tinan en vie grâce à la vitae. Alors, attendez, parce que en fait, il y en a plein des... plein de fresques. Ça, c'est Tininan avec ses 7 prêtresses, du coup, j'imagine... Non, les 7 impératrices. Et ça, je sais pas. Mais ils donnent tous. En tout cas, tout le monde donne de la vitae. Donc ça, ça doit être Tininan, j'imagine. Ensuite, ça doit être les alchimistes. Une représentation des alchimistes. Là, il y a des trucs, mais on sait pas à quoi ça sert. Donc ensuite, voilà. Elle règne grâce à la vitae. Éternellement, sans enfant. Tout ça, tout ça. Et là, les gens deviennent des animaux. Pour devenir de la vitae. Donc ce processus déshumanisant, on voit d'ailleurs qu'visiblement ils sont sous une ville. Ou alors c'est la ville qui est représentée en fait au-dessus. Oui, non, elle y est à chaque fois, non? Ah non, pas du tout. Non, non. Ouais. Et du coup, tout le monde donne de la vitae. Ouais, bon, je pense que j'interprète mal certaines des fresques. Hein. Mais par contre, ouais, c'est ça qui m'interpelle. Parce que ça ressemble au ghoul. Hein. Oui, bébé. At least we got away from Leon. I never liked him. He liked me, but... Ah bon? In the wrong way. And he hated Salim.
Ouais, visiblement, il avait un petit souci. Il avait un petit souci, le... Le Léon. Mais prends ça! Non, on s'en fout qu'il est... D'accord. Alors. La grande avancée dans le processus de raffinement est venue d'Ayandra, l'apostat. Peut-être le, ça, le, c'est peut-être le processus de raffinement qui provoque les goules. Qui avait demandé l'asile dans notre ville après avoir suscité la colère des dirigeants de la forteresse embrasée. Pour prouver sa valeur, l'apostat a suggéré l'utilisation d'une décoction de fleurs d'Emerich afin d'effacer la mémoire du sujet. Pardon, excusez-moi, mais... Quand je vois effacer la mémoire, je peux pas m'empêcher de penser au début du jeu, quoi. Quelque part. Peut-être qu'on se réveille amnésique, mais... Et ainsi réduire l'épuisement causé par l'enchaînement des sessions de stimulation. Cela a grandement impressionné Temaku, qui a décidé de placer Ayandra sous sa protection. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années, avant que les crimes de l'apostat ne soient révélés. Après quoi, il fut exilé à jamais. Mais quel crime, du coup? Les crimes par... Hein? Mmh. Bon, et ça, on peut pas le lire. Bon, en tout cas, le truc important dans cette salle, c'était ça. Non, des espèces de fontaines, mais c'est pas des fontaines du tout. C'est étrange. C'est étrange comme lieu. Jusqu'où ça va, ça? Ok. Bonjour la porte. Au revoir la porte. C'est sympa comme endroit. Bien aimé. Ok. Donc là, avec le troisième, il faut que je trouve une solution. J'en ai trois. Faudra pas une quatrième, parce que là, il y a quatre personnages. Mais ouais. Non mais c'est surtout que le truc qu'il faut que j'alimente, il est là-bas. Hein? Attendez, comment je le déplace? Je peux pas le... Voilà, ça marche. C'est bon, ça a fonctionné. Pense bête. Alors visiblement, il faut que j'utilise ça. C'est un autre portail. Attends. Non mais, actionne-le en entier, hésite pas. Ah ah. Bonjour. Ah bah la lumière. J'appuie sur E, c'est pas E. Ah. Some sort of performance. Presentation. Tout va bien. Hein? Non mais il est attaché. Bonjour.
Au revoir. Attendez. Ah, on l'a raté du coup. Mais il est parti. Hein? Au secours. Oh, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Si je peux le rappeler? Attends, reviens ici! J'en ai pas fini avec toi! Il a pas l'air de revenir. Bon, si je recommence. Est-ce que j'en ai un nouveau? J'ai le droit à une nouvelle. Ah merde! On remonte. Oh non! Ah non! Hein. Ah non! Hein. Pourquoi je fais ça? Hein. Je peux sortir? C'est pas trop tard? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée. Bah alors qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir l'enfant? On va voir bébé normalement. Coucou bébé! On a fait une échographie. Eh bébé, c'est un beau bébé, hein. I'm sorry, little one. Happy tears, I promise. I thought you might be a dream. Or that there was... that something had gone wrong. Ouais, sois pas trop contente. What? Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'appuie. Pourquoi il est en bleu, le bébé? Pourquoi c'est entouré? Pourquoi j'ai des signes sur la tête? Au secours. I don't like this. T'es pas la seule. What does it mean? Born with a sickness, it will waste her to nothing. No. I can help her. I can save her. She's ill. She's ill, I remember. Oh God. Just like Alice, what do I do? Help me! Aid within these walls. Follow me. Mmh. Ah, mais le problème c'est que... Déjà elle est partie où? Elle est marrante elle. Super. Donc ça c'est fait. Bébé. Bébé va pas bien. Alors attendez, est-ce que si ça indique la maladie? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi j'ai ça aussi sur la tête? Je peux y retourner? On peut recommencer? Ah merde, on peut recommencer. Je sais pas, moi je re-rentre, hein. On me dit que je peux re-rentrer, je re-rentre. Hein. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je peux ressortir? Je peux ressortir. D'accord. Mais en fait, j'ai pas vu où elle est partie. Elle est marrante, mais j'ai pas vu où elle est partie. Enfin, elle est marrante. Marrante vite fait, hein. Par contre... Non, c'est... Non, elle a pas le même... Elle est pas plus enceinte qu'avant. J'ai juste l'impression. Mais bébé, il paraît grand. Bébé. Il paraît très très grand bébé quand même. Par contre, elle est où? Ou vraiment, il faut que je fasse genre... Ça. Il faut que j'ose. On a dit qu'il fallait oser. Là, tu fais ça. Et c'est un nouveau voyage? If there's something...
something in here that can help you. I've got to try it. Anything. Ouais, alors ça... On sort, hein. On sort. Jusqu'où ça allait là? Ah ouais, là je serais tombé quoi qu'il arrive. Donc j'ai évité une grande chute. Ah ça c'est un grand. C'est pénible. Bon tant pis hein. Ce serait gâché de pas le prendre en fait. Ah, on va glisser, hein. Je vous spoil, ça va glisser. Oh, damn it. Non mais en fait, je voulais éviter que ce soit un drame. Chut, taisez-vous. Taisez-vous. Tu veux pas me guider, là, la lumière bleue, là? T'es pas censé me guider? Super, l'allumette, hein. Grosse allumette. Bonjour. J'aime pas ce trou. J'aime vraiment pas ce trou. On y voyait quand même. Bon, ouais, j'allume, je grille une allumette quand même. Je veux pas trop... Oh bébé. Oui bébé. Même si tu me grilles l'allumette, bébé, c'est pas grave. Et du coup, bébé, il aurait la même maladie que... Bon, je dis bébé, ça m'arrive du coup maintenant, mais je me suis habitué à l'appeler bébé. La même maladie qu'Alice, a priori. J'imagine qu'on va du coup, en apprenant plus sur la maladie d'Alice, en... enfin... L'un va nous en apprendre plus sur l'autre. Tu peux arrêter de... On peut arrêter les voix dans ma tête. C'est très dérangeant. Surtout quand c'est des chuchotements comme ça, là. Si au moins c'était intelligible. Si moi je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais non. Oh, la lumière, elle m'a dit suis-moi, mais... Superbe. Je la suis où maintenant? Oh. What the fuck? C'est des tramways. Ils ont fait un métro. Non mais attendez, par contre c'est beaucoup trop grand là. Il y a trois chemins. Ok, ça c'est inaccessible. D'accord. Ah mais attendez. Ouais d'accord. Mais ça, au moins il y a un intérêt à cet endroit quoi. J'allais dire, sinon... What the fuck. Donc là maintenant il y a le tramway, il y a le métro. Je le sens pas du tout cet endroit. Et il y a là. Je vous avoue que je le sens pas non plus. Hein. Ici... Je sais pas, il y a une odeur de douille. Il y a une odeur de monstre et de ghoul. Et de nez qui gratte. On est au-dessus de... Encore de l'huile que je peux pas prendre? Non mais c'est inadmissible. Oh, c'est que des pots d'huile, des gros pots d'huile. Comment je fais? Bon bah on sait qu'il y a le pot d'huile là. Mais parce que là, ça sert à rien que j'utilise mon gros pot d'huile maintenant. Ah mais... Oui et non en fait. Disons que ça peut servir à m'éviter un aller-retour inutile. Là on trouve trop de ressources. Enfin trop de ressources. Trop d'huile. Ok. Bonjour. Bonjour. Il va y avoir un truc qui va me foncer dessus. Hein. C'est une blague? C'est une blague? Ils ont pas mis un truc invisible?
parce que j'ai cru voir une sorte de silhouette, mais une silhouette globalement invisible, quoi. Ouais. Moi non plus, j'ai pas envie de le savoir. Même si je le sais un peu. Par contre, vraiment, il y avait un truc, mais je l'ai pas vu. Mais j'ai vu une silhouette. Ça me plaît pas du tout. Vous avez pas mis un truc invisible, hein? Bonjour. C'est tordant. Comme lag. Ça va me foncer dessus, hein. Quelque chose va me foncer dessus au bout d'un moment. Je peux avancer? Je peux pas. Arrête. Bloqué par un os. Oh, s'il y a une saloperie, ça aurait été dégueulasse. Notez comme je... Voilà, hein, je pars, hein, je regarde pas s'il y a d'autres trucs à voir. Je me casse parce que j'ai un peu peur. Un peu. Si peu. Oh, le temps de la vidéo. Terrible. J'ai eu un mince espoir pendant une demi-seconde qu'on soit revenu dans le monde normal. Mais faut pas rêver. Tandis que c'est toujours plus l'apocalypse. Mais qu'on va avancer comme s'il n'y avait... Oh, sérieusement. Pas la moindre menace. Prends les allumettes. Alors, on notera qu'il y avait 3 allumettes sur la boîte, hein, mais j'en ai récupéré que 2. Hein. Tout va bien. En vrai, je devrais m'arrêter, mais j'ai envie de continuer, c'est terrible. Mais on va pas tarder à mettre fin à l'épisode. Hein. Après, le truc, c'est que comme le début aura été chaotique, à mon avis... Je sais pas trop ce que ça vous donne, ce que ça va donner pour vous. Je peux rentrer là-dedans, s'il te plaît? Bonjour. Look. Those bright places. I think there are more rifts back to our world. Can we get to one of them? Ah. Là-bas. Non, mon pense-bête c'est pas mis à jour. Mais ah! Ah, le pense-bête avec bébé, non, c'est pas fait. Bah, en même temps, on a pas sauvé bébé. C'est vrai. Bon, je vais. Alors, j'ai pas pu l'allumer celui-là. Ignorons le fait que je sois terrorisé. Et avançons. Non mais... D'accord. Pavlos, by my knee, delivers constant chatter about the honeycomb he found. Phila, little face, serious, tongue stuck out as she draws in the earth with a stick. Hermia catches the boy up in her arms and flashes me a tired smile. I too am tired, but I am grateful for this day. It's a memory, I think. What?
Mémoire de qui? La mémoire de qui, je ne sais pas, mais oui, oui. Oh, il y avait vraiment une... Oh. It is time. I hold her down, stroking her neck. She is oblivious, nuzzling at me. I thank her for her company, for her comfort, for her nourishment. I cut her throat swiftly. She complains, but it does not take long. I catch the blood in a clay pot. She will save us this winter. Il était un peu plus sympa le premier souvenir, quand même. Oh, mais est-ce que je peux arrêter d'être terrifié, bébé? She promised aid. Ouais. Within these walls, she said. Ouais. Mais elle a pas dit à quel prix. Ah, bébé. I'll find a way to make you well. I swear. Just stay calm, my love. Stay with me. All will be well. C'est bien, c'est pas long, hein. D'accord. C'est une tablette avec un squelette humain particulier. Je sais pas trop à quel genre de squelette ça peut faire référence, pour être honnête, mais ça s'est refermé derrière moi, superbe. Alors ça, c'est une main. On va se calmer, hein. C'était juste une main. Hein. Yeah. This is the place I can help Amari. Vitae is life against sickness. What do I have to do? Create Vitae. Sit. Be healed. The energy that powered the portal. Right, because that was so easy to find last time. Bah ouais. There must be a way to make it here, or she wouldn't have said it. Bonjour. Bah, en fait, techniquement, on sait comment faire de la vitae. Enfin, on sait. On sait pas exactement comment on fait, mais il nous faut un... Il nous faut un cobaye vivant, quoi. Richard? Richard, t'es où? Léon, Léon. Léon, t'es où? This looks dead. Needs energy to bring it to life, I think. Mm. Je pense aussi. Très bien. Pense bête, voilà. Donc le diagnostic de bébé c'est fait, maintenant il va falloir le sauver. Sauver bébé. It is the day after the rain. I can smell the green on the breeze. The skies are blue now, with only wisps of cloud. The bell of the white goat clanks nearby as she rips and chews at leaves. I close my eyes and listen to the world. Mm-hmm. C'est pas très clair ces messages. Je vous avoue que je sais pas trop ce que, où ça va en venir. On nous raconte, voilà, on nous dit, oui, moi j'étais avec ma fille, ou mon fils, enfin voilà, Pavla et je sais plus qui. Mais c'était bien, c'était des souvenirs heureux. L'autre message, enfin l'autre souvenir, c'est, oh bah je lui ai arraché le cou pour la remercier. Enfin, pour la remercier, j'ai fait ça vite. Enfin, je lui ai tranché la gorge, mais rapidement pour la remercier, parce qu'elle nous a donné de la nourriture quand même, c'était sympa. Et là, voilà, là c'est les cloches de la chèvre, j'écoute le monde. D'accord, mais je vois pas trop le rapport pour l'instant avec tout le reste, mais bon. Sous le signe d'Olan, au 8e levé, au 3e appel, moi, Kemi, laisse ce témoignage. Enfin, quand je dis rapport, je dis pas que c'est forcément lié à au truc de Tininan, mais quel est l'intérêt scénaristique, thématique,
de ces éléments. C'est, voilà, c'est ça, c'est là la question que je me pose. Le rail de la troisième navette présente un défaut. D'accord. J'ai redirigé une partie du stock vers l'usine numéro 5 en attendant que celui-ci ait été corrigé. De ce fait, la station Rakiosta nous a signalé avoir atteint un niveau d'accumulation insalubre et demande du personnel supplémentaire possédant des pierres Ankari pour contrôler les moissonneurs. J'ai fait suivre le message au responsable des affectations. Pierres Ankari. Noté en son nom éternel. Les pierres Ankari, c'est quoi? C'est les trucs d'énergie, là? Ouais, donc ouais, la Vitae, il nous faudrait peut-être quelqu'un. Après, le truc, c'est que s'en ingérer, est-ce que c'est pas, ça va pas nous rendre encore plus fous? Ce que je veux dire, elle veut nous aider, mais en même temps, on a des visions d'elle. Quand même pas rassurant. Alors après, c'est peut-être pas exactement la même personne, ceci. Ça se trouve, c'est pas du tout la même personne, en fait. Mais bon. Peut-être que le masque brisé représente autre chose encore. Oui. Bon, il me faut un... Ouais, il me faut les récepteurs Wi-Fi, là. Il me faut l'antenne Wi-Fi. Ah! Là, ça va pas. Je sais pas si je fais bien d'utiliser des allumettes ou si je voudrais pas plutôt... C'est ma fiole d'huile, là. Sûrement. En fait, je pense qu'il faudrait que j'utilise les allumettes. Surtout quand il y a des trucs à allumer. Aussi. Sous le signe d'Olan, au 8ème levé, au 2ème appel, moi, Teoti, laisse ce message. L'écoulement de Vitae a atteint un point d'équilibre dans tout le réseau suite aux ajustements effectués dans l'usine numéro 6. Ceci est conforme à nos calculs récents et indique que nous aurons effectivement un débit plus que suffisant pour subvenir aux besoins de l'impératrice et répondre à la demande de la population jusqu'à ce que les nouvelles usines soient reliées au réseau. Dans 100 levées. Noté en son nom éternel. D'accord. Bon, ça là. Après, c'est les stations sinon. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Mais la 6, elle est censée aller bien. Un bébé. Just dream. Dream of Paris, of sunlight on cobblestones and beautiful trees. Dream. And it will all be better. Ouais. Je sais pas s'il peut vraiment rêver, bébé, mais... Je sais pas comment ça marche, les rêves d'un bébé. Si ça peut rêver, etc. Parce que ça se base sur tes souvenirs aussi, les rêves. Ouais. Pour l'instant, je ressens pas de menace. Donc je me permets d'avancer tranquille, mais... Oh, des allumettes. Oh, ces boîtes d'allumettes. Je crois qu'on en casse une quand on les prend. C'est terrible. Ouais. Non, mais rallume. Non, mais remonte. En fait, j'ai l'impression d'être... Oh, des moments où j'ai l'impression d'être pas très grand. Là où au début du jeu, ça me choquait pas. Mais... J'ai limite l'impression qu'on est en train de rapetissir au fur et à mesure du jeu. Comme si on se recroquevillait sur nous-mêmes. Ce qui serait peut-être possible. Hein. Je sais pas, peut-être pas. Hein. Par contre, j'avais cru voir un truc... Attendez. Oh, sans l'orientation sur 20. Je viens d'où? Je sais même pas d'où je viens, mais je suis pas allé là. Voilà. Oh là là, les tablettes. Vous savez quoi? Je pense qu'on va explorer cette pièce et on va s'arrêter. Parce que ne serait-ce qu'en termes de lore, j'imagine qu'on a vu pas mal. J'espère qu'il y a rien derrière, qu'on va pas me sauter dessus et tout. Hein. Ok. Sujet 1145. Donc 1145 SV. Sous-vivant. Ou survivant. Ouais, voilà. Sujet 1145e survivant. L'extraction initiale indique une classe ouvrière. Avec une structure familiale qui consistait d'un partenaire et deux enfants au moment de la capture. Potentiel de rendement fort. Selon le protocole, concentrer l'extraction future sur le début de sa relation avec le partenaire et sur les années de formation de la progéniture
Hein ? Selon le protocole, concentrer l'extraction future sur le début de sa relation avec le partenaire et sur les années formation de sa progéniture. De plus, l'effort souvenir typique renvoie à l'endroit de la capture et à la connexion parentale. Alors, est-ce que SV, ça peut être Salim V quelque chose ? Je sais pas si on avait le nom de... On avait le nom de Salim. Attendez. Salim Anashi, donc ça marche pas. Non, ça, on l'a vu. Hein ? Non. Sujet 1144... Ah non, 1144. SV. Donc c'est SV, toujours SV, hein, en fait. L'extraction initiale indique une classe ouvrière, pas de famille proche, mais une forte connexion à un seul individu. Potentiel de rendement moyen. Concentrer l'extraction future sur les contacts avec cet individu. Ignorer tous les souvenirs avant l'âge adulte. Étant donné que l'absence de famille indique l'absence de matière positive à utiliser. What the fuck? Ça devient de plus en plus étrange, creepy, mais en même temps, il y a l'air d'avoir un truc qui se dégage. Hein. Sujet 1143 SV. L'extraction initiale indique une classe servile, sans famille proche, potentiel de rendement faible. Au moins, on aura eu les trois classes différentes. Ben, pas les trois classes différentes, mais les rendements différents. Concentrer l'extraction future sur les souvenirs les plus lointains, mais considérer une mise au rebut. Bon, bah, il faudrait qu'on trouve celui-là du sujet. Comment ça marche? Je comprends pas. Under the sign of Edu, on the fourth rise at the second calling, I, Atharu, make this record. Research into the revised chamber has led to a breakthrough. Introducing the memory capsules allows for a more intense reaction to the pain, rising to a tensor level of 17 immediately. Subjects no longer rapidly burn out. Our supply problem is solved. Direct stimulation of the nerves, followed by a dose of elixir of Emmerich, followed by an application of the subject's own best memories. Or to view it another way, fear, oblivion, hope. Fear, oblivion, hope. It's so simple. Without fear, there is no vitae. Ouais, Marie, vas-y, parle. I'll do anything. Everything to get you home, my love. Ça m'a l'air important ce qu'elle a dit là. Comment ça, la vitae, c'est la peur? Je suis pas confiant dans l'idée de donner ça aux gamins, moi. On va s'implanter de la vitae en nous, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Parce que jusqu'à présent, on l'a pas fait. Je comprends pas trop leur truc de potentiel de rendement. Est-ce que ça parle du coup des ghouls? Ça veut dire que des ghouls seraient plus adaptés que d'autres à récupérer de la vitae? Enfin, c'est pas clair. Oh, look at them. I wonder who they were. I need to tell you about Alice, little one. She was your sister. For a while, in our little rooms in Paris, it was just the three of us. She loved stories. And she loved to play in the park. And she's with your father now. And you're with me. Oh, and there was Maka, Alice's toy monkey. I've got him here. I'm sure she'd love him to be yours. Ça va pas trop mes bras quand même. I'm here, my love. I'm here. Ah, oh, ça va pas mes bras. Ils vont pas bien. Bon bah du coup, on a enfin la confirmation. Ça se casse pas. Mais ça c'est égyptien par contre ça. C'est vrai que j'ai pas tiqué sur les trucs d'Anubis. Voilà, les vases d'Anubis, là. Qu'on peut casser, d'ailleurs. Mais, j'aime beaucoup Anubis, moi. Donc, ouais, qu'est-ce que ça fait, là? Pourquoi il y a des trucs égyptiens, maintenant? On n'était pas dans le romain? Je comprends plus. Est-ce que ça, c'est un Ankh? C'est complètement égyptien. Bon, du coup, voilà, on a la confirmation officielle. Qu'Alice est morte. Hein.
Bon, on s'en doutait en réalité. C'est pas comme si je partais pas de ce principe depuis le début du jeu. Hein. Mais c'est la première fois que le jeu nous le dit officiellement en mode ouais, voilà, elle est avec ton papa. Et bon, bah Salim, on sait. A priori, il est mort, hein, Salim. Peut-être qu'on va le revoir en mode Léon, mais j'espère pas. J'avais dit que je m'arrêtais, moi. Je suis mort. Qu'est-ce que j'ai libéré ? Ouais, ouais, bébé. T'inquiète. Ça avait pas l'air terrifiant du tout. Bah écoutez. Décidément, j'ai le chip pour m'arrêter dans les moments... incroyablement pas du tout... Enfin voilà, c'est pas du tout un cliffhanger ce que je fais. Bon, qu'est-ce qui se passera la prochaine fois? On le découvrira du coup dans la suite d'Amnesia Rebirth. Moi, je vais faire une pause aussi. Parce que bon, j'ai fait une mini pause entre les deux épisodes, mais voilà, je vous avoue qu'en plus ça fait un petit moment que je tourne, donc voilà, on découvrira du coup la suite la prochaine fois. Portez-vous bien, bye bye.